Bienvenue sur Bloc Moteur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à bord du salon de l'automobile en accès presse, comme vous pouvez le voir. Et on va essayer de vous montrer les coulisses d'un accès presse, quelques nouveautés du mondial de l'automobile. Nous sommes actuellement dans le 7.1. Ce que je vous propose, c'est la caméra 360. Si vous aimez bien nos vidéos et pour nous encourager à faire toujours plus de contenu, pensez à vous abonner, à activer les notifications, à liker la vidéo, à la commenter. Et puis c'est parti, on passe de l'autre côté. Et on se retrouve sur le stand de Movie Car Central, une chaîne YouTube qui propose des voitures de films, et ça tombe bien, des vidéos voitures de films, c'est parfait. Vous avez pu voir la voiture de Taxi ou bien encore celle de Jurassic Park. On voit aussi Choupette, la petite coccinelle pour les plus amoureux de la petite Volkswagen, ou bien encore des voitures de Sheriff Fais-moi peur, et un peu plus loin dans le stand, des véhicules de James Bond, Retour vers le futur, Batman, ou bien encore Fast and Furious. C'est du lourd, oui, c'est du lourd. C'est magnifique, bravo à Franck et son équipe d'avoir ramené tous ces véhicules, et on va par la suite voir une petite surprise devant un petit étroit de Tortue Ninja, je vous laisserai deviner pour les plus passionnés de la chaîne Movie Car Central. On rentre bien entendu à l'intérieur du stand à la fin du tour extérieur pour vous proposer une immersion toujours plus complète. On espère que ça vous plaît, on vous laisse donc en musique profiter de ces pépites. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas grand monde, mais la presse n'a pas tardé à s'amasser. Et après, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir des rushs exclusifs, donc profitez bien. Allez, c'est parti. Est-ce que vous reconnaissez celui qui est devant le T3 en train de fixer le panneau? Allez, à vos commentaires. Moi, j'ai ma petite idée en tête. J'ai pas osé l'approcher pour ne pas le déranger. Et étant fan, je sais à quel point ça peut être dérangeant quand on travaille et que qu'un YouTuber ou un viewer ou je ne sais qui vient vous embêter pour vous parler et vous demander un autographe. Donc voilà, je vous laisse deviner. Allez-y, en commentaire.
Et ici, nous sommes sur le stand de RMC. Vous savez, la chaîne qui propose SOS Garage ou bien d'autres émissions automobiles. Et là, vous pouvez retrouver quelques voitures fort sympathiques. Vous les avez sans doute vues à la télé. Et ben là, vous les avez sur YouTube et sur Bloc Moteur. Retour en musique. Et sans plus attendre, on va vous montrer l'envers du décor d'une conférence de presse avec Citroën. Vous allez voir le monde qu'il y avait et le bruit qu'il y avait. Immersion, c'est parti, côté presse, let's go! All new Citroën Ami and all new Citroën Ami Vision. We kept the same recipe with a very smart design. Et nous arrivons sur le stand de la Gendarmerie Nationale. Alors là, on était dans une partie du pavillon 7.1 dans lequel vous aviez la gendarmerie et aussi les véhicules de l'autoroute Vinci totalement encastrés. On vous a pas montré les images des drames ou encore les véhicules face à un train. C'est de la prévention routière. On est sur un point essentiel pour la vie de chacun. Et là, bah, vous aviez l'intérieur des véhicules de gendarmerie. Donc bien entendu, j'ai demandé l'autorisation hein, avant de filmer. Vous avez la magnifique Alpine, le camion de la gendarmerie et vous aviez d'autres petites voitures assez connues comme le Peugeot. Bon, on va pas en faire tout un plat sur les Peugeot, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, nous sommes à Estaca. Estaca, c'est une école d'ingénieurs sur l'automobile et ils ont fait 4 véhicules qu'ils présentent. Ils en ont fait bien plus, mais voilà, vous avez une voiture de rallye, une voiture faible consommation, une voiture de rallye touristique ancienne, mais aussi une petite monoplace. C'était vraiment sympa et en plus on a eu un échange super intéressant avec le jeune que vous voyez tout simplement à l'image actuellement. Autre pavillon, autre ambiance, et oui, on vous propose pas les vidéos dans l'ordre des pavillons. Là, nous sommes dans la Dream Zone, donc vous avez des véhicules d'exception avec des marques qui n'avaient pas forcément de stand sur ce mondial. Donc là, on a de la magnifique voiture luxueuse, mais vous allez avoir aussi une voiture d'un autre YouTuber. Allez-vous deviner qui ? Allez-y, préparez, commentez, ça arrive bientôt. Et oui, une voiture de Pog. Pog, il n'est pas dans Top Gear cette année ? Intéressant tout ça. Bah, vraiment magnifique et c'est toujours sympa de pouvoir approcher les véhicules qu'on voit sur YouTube en réel. C'était vraiment un moment sympathique et j'espère si vous êtes rendu sur place que vous avez eu l'opportunité d'approcher ces voitures d'aussi près que nous avons pu vous le proposer. Et ceux qui n'ont pu y aller, eh ben, la vidéo ici est là pour ça. On avait même fait un petit live sur place pour vous proposer ces véhicules incroyables. Donc là, ils étaient en train de s'installer. En fait, vous allez voir dans les stands à travers toute la vidéo, ils sont en train de faire le ménage, de poser les plaques, de poser le sol, de finir de garer certaines voitures, de ramener des choses, de déballer des goodies, de s'installer en fait, ni plus ni moins. Et ça, bah, c'est pas mal de le voir parce que vous, vous le voyez peut-être pas forcément quand vous venez. Déjà tellement il y a de monde, mais ensuite parce que les préparatifs sont faits. Et là, les journées presse, c'est une journée au lieu de 2 à l'époque. Et le salon, c'est une semaine contre 2 à une époque aussi. Donc bah c'est tout de suite plus condensé, mais bon ça reste quand même assez sympathique mine de.
Et là, vous êtes sur le stand Matra, le musée Matra. Vous en avez sans doute entendu parler, puisque certains auraient bien vu notamment le multiplat chez eux. Mais ça ne s'est pas fait, vous connaissez la suite sur la Discord entre les deux youtubeurs. Donc là, c'est un stand d'un musée qui est assez connu, qu'on ira certainement voir de nos propres moyens, puisque nous sommes pas si loin que ça. Et vous voyez quelques véhicules d'exception, dont l'Espace F1 par exemple. Mais il y en a eu d'autres, et même Jean Todt a eu la surprise de découvrir notamment la petite voiture bleue que vous voyez là, qui ressemble étonnamment quand même à une 205. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-moi ça, c'est vraiment des modèles magnifiques. Matra est un constructeur qui a fait faillite, mais qui a beaucoup travaillé avec les constructeurs français pour proposer des véhicules, voire des prototypes uniques en leur genre. Autre pavillon, autre ambiance, là on est sur un stand qui parle de la simulation. Alors, il y avait des simulateurs, des jeux, c'était vraiment sympa. Bon, on n'a pas pu s'attarder à essayer... Des véhicules, ça aurait été avec plaisir, mais on n'a pas pu. Voilà, c'était juste impossible. Mais ils ont proposé, eux aussi, de belles voitures, ce qui compensait l'absence de certains constructeurs comme Porsche. Voilà, donc on voit plein de petites beautés et une mini monoplace. Enfin, une mini, non, une monoplace. Un simulateur tri-écran, vraiment sympa. Franchement, ça donne envie de tester. Avez-vous déjà vu ces Skoda? Dites-le en commentaire. Là, vous allez voir pas mal de choses sympas, hein, comme d'hab. Bon, ça vous plairait ce système pour garer vos voitures? Là, au moins, la place, elle est bien optimisée, hein, mine de. Par contre, je sais pas si j'aurais confiance. Là, vous avez FX Restore. Alors, eux faisaient du vernis après polissage pour remettre une dose de vernis sur les voitures et ainsi prolonger la durée de vie des voitures, puisque le polissage réduit la couche de vernis. Bon, j'en ai appris un petit peu quand même avec des professionnels qui m'ont appris pas mal de choses. Oh, un constructeur français, sauriez-vous deviner la marque? Ça, par contre, je vous souhaite bonne chance, mais petit indice, elle était sur le visuel du salon de l'auto. Alors, on vous propose plein de véhicules qui sont de tout âge à travers ce stand. 4 pour un petit constructeur français, c'est sympa aussi. Bon, on n'a pas pu filmer à l'intérieur d'une des voitures parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de passer l'aspirateur à leur demande. Principe de respect, bon, on l'a pas fait quoi. Vous l'avez sans doute vu déplier à essayer de vous vendre des petits goodies Renault. Voici une petite Renault Estafette. Elle est magnifique. Et regardez, elle est refermée et rien que pour vous, vous l'avez dans sa version capable de rouler. Là encore, vous allez vous demander pourquoi cet ordre des voitures. Alors très simplement, parce que si on faisait dans le bon ordre, dans la façon où elles étaient garées, pour vous filmer, c'était juste impossible. Il aurait fallu y aller en marche arrière à des endroits, en marche avant à d'autres, faire des cuts à chaque voiture. Ça aurait été imbuvable avec des raccords pour vous. Donc on a préféré vous faire, bon bah, une petite chronologie différente. On est passé à travers les voitures pour vous proposer la version que nous, on a décidé de filmer dans notre ordre à nous.
Mais bon, ça vous retrace l'histoire des voitures. Je vous laisse deviner l'ordre. C'est à vous. Sans doute l'un des plus beaux stands de ce salon, le stand Alpine. Là, vous allez retrouver un prototype HY6, la Alpenglow. Bon, me demandez pas pourquoi ce nom-là. Bah, elle est vraiment sympa, très jolie, très finie. Alors, ça a été assez compliqué de filmer parce qu'il y a eu masse de médias sur la A290 qui est bleue sous le tunnel, comme vous allez le voir, donc on vous a proposé une variante avec la A290 grise où qu'il y avait strictement bah, personne. Ils étaient tous agglutinés sur la bleue. C'est vrai qu'à l'intérieur, ça change, qu'elle soit bleue ou grise. On a appris quelque chose. Donc voilà, cette beauté. Alors, certains diront qu'elle n'est pas assez puissante. D'autres diront qu'elle fait le job. Elle a quelque chose, voilà. Bon, c'est une R5, hein, la version Alpine. Comme à l'époque. Elle est vraiment, vraiment mignonne. On l'aime ou on n'aime pas après, les goûts et les couleurs. Par contre, elle a un petit peu grossi, la R5. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, nous sommes retournés à côté du musée Matra, sur le stand d'Autoscout. C'était là aussi des belles voitures, mine de. J'en aurais bien pris une, ne serait-ce que pour me balader ou aller chercher le pain. Et voilà, c'est la fin de cette première partie de la vidéo du Mondial de l'Automobile. On vous laisse sur ces magnifiques images. Si vous aimez le contenu, pensez à vous abonner, liker, partager, à activer les notifications et inviter vos amis à regarder la vidéo. Nous, on vous dit la semaine prochaine, c'est la suite avec un peu plus d'univers du décor du Mondial de l'Automobile. Donc on reste à bloc moteur !